وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم. Certes, Allah le Très-Haut tend sa main la nuit pour accepter le repentir du pécheur du jour et le jour pour accepter le repentir du pécheur de la nuit. Et ce, jusqu'à ce que le soleil se lève à l'ouest. Rapporté par Muslim. Cette tradition prophétique peut se comprendre à la lumière de deux autres traditions prophétiques. La première, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه رواه مسلم. Celui qui s'est repenti avant que le soleil ne se lève à l'ouest, alors Allah a agréé son repentir et l'a pardonné. Quant à la deuxième, وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغلغر رواه الترمذي. Rasulullah صلى الله عليه وسلم, l'envoyé d'Allah, nous dit que certes Allah le Tout-Puissant accepte le repentir du serviteur tant qu'il n'a pas atteint les derniers instants avant de mourir. Ces trois traditions prophétiques ont un point commun, le repentir ou le retour vers l'obéissance à Allah. Dans le premier hadith que nous avons cité, la générosité d'Allah est ainsi. Il accepte le repentir du serviteur dans la nuit, même si le péché a été fait dans la journée. Et l'inverse, il accepte le repentir du serviteur dans la journée, même si le péché a été fait dans la nuit. Ceci est une preuve qu'Allah Ta'ala aime beaucoup le tawbah, le repentir, le retour vers lui. Et dans d'autres traditions prophétiques, on peut lire qu'il est plus content que cet homme qui aurait retrouvé sa monture après l'avoir perdue. Lorsqu'un homme a perdu sa monture, ou alors quelqu'un qui aurait perdu sa voiture, qui se serait fait voler son moyen de locomotion, lorsqu'on l'appelle et qu'on lui dit « voilà, votre voiture, votre véhicule a été retrouvé à tel endroit », eh bien il éprouve une certaine joie, un contentement. Eh bien, le contentement d'Allah Ta'ala, lorsque son serviteur ou sa servante va demander pardon ou retourner vers lui, est beaucoup plus chadide et beaucoup plus fort. Allah donc accepte le repentir sincère du serviteur, même s'il le retarde. Néanmoins, les ulama expliquent qu'il est nécessaire et même obligatoire de se précipiter vers cette action, de ne pas attendre de demander pardon à Allah Ta'ala. Parce que l'être humain ne sait pas. Il ne sait pas, il n'a aucune connaissance du moment de sa mort. Il se peut que cette mort le surprenne et qu'il meure avant qu'il ait pu demander pardon à Allah Ta'ala. Un autre point essentiel à la compréhension de cette tradition prophétique, c'est que nous avons la preuve que lorsque le soleil se lèvera à l'ouest, alors que nous savons très bien que le soleil se lève à l'est, l'acceptation du repentir cessera. On ne pourra plus demander pardon à Allah Ta'ala. Donc ceux qui ne croient pas en Allah et au message de son prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, paix sur lui, voudront apporter foi à ce moment, mais il sera trop tard. Tous ceux et celles qui n'avaient pas eu la chance de se repentir avant ce moment exceptionnel voudront le faire, mais il sera trop tard, malheureusement. Et leur repentir ne sera pas accepté. Le deuxième hadith, la deuxième tradition prophétique que nous avons citée, vient confirmer cela. Il est important de comprendre une chose. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le troisième hadith que nous avons cité que certes Allah le Tout-Puissant accepte le repentir du serviteur tant qu'il n'a pas atteint les derniers instants avant de mourir. Ma lam yughargir, c'est-à-dire le moment de l'agonie. Lorsque l'âme atteint la gorge, lorsque l'âme va sortir du corps de l'être humain. Et Allah Ta'ala le dit dans le Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليست التوبة للذين يعملون السيئات
حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن